Salut YouTube, c'est Vince Dacuero. Aujourd'hui, je vous propose dans ce nouveau vlog de me suivre, de nous suivre avec Pumpkin sur le tournage de notre nouveau clip Méchante Petite Femme. Donc voilà, on est dans les ateliers de Beach à Nantes et on va tourner ce clip avec Sébastien Marquet qui a déjà réalisé pas mal de clips pour nous en fait, que vous avez sans doute vu, et notamment le dernier Luna Park. Et je vais vous faire visiter un peu les ateliers de Beach et toute la mise en place du matos. Donc on aura quand même des lumières qui joueront dans le champ, parce que moi j'ai installé Ouais, voilà ça. J'ai installé des néons un peu partout. Il y aura cette lumière là, mais tout va être un peu graphique. Il est beau ce pied. Ton nouveau pied girafe. On a dit qu'on enlevait les lunettes, ouais, c'est ça. J'ai pris des lentilles. Ah, oui, on enlève juste le masque, je t'en vois. Enfin, qu'on fasse attention au masque, parce que du coup ça va te laisser des marques. Ouais. Donc cet après-midi, au moment de shooter. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, si je laisse l'âge comme ça. Ouais, voilà, peut-être, ouais. Parce que la lumière va t'aider justement à être concentré. Parce que l'idée c'est que je reste à peu près là quoi. Absolument. Faut pas, faudra pas que je... Mais par contre je pourrais... Bien sûr. Parce que je trouve en fait, au début, que c'est un morceau bouges pas. Qui appelle à ce que... Au début tu bouges pas, ouais. Jusqu'à que j'arrive ici. Ouais. Tac, là on te fout le sang. Ouais. Et là, au moment où on recule, là tu regardes tes mains. Et après au moment où on recule, c'est là où tac, tu peux commencer à bouger. Et j'ai amené aussi, le... ça je sais pas comment je vais l'installer, mais c'est la lumière de la night. Ouais, lumière de la night. Je sais pas comment je vais l'installer. L'envers du décor. Comment il s'appelle? Dams. Oh putain. Dams. Plus c'est du maxi. Putain, ça rigole pas. Tous les accessoires. Le faux sang. Maxi, c'est quand même celui qui sent mieux. Parce qu'il y a quand même des différences d'odeur hein, avec les gels hydro. Ouais, il y en a qui sont vraiment dégueu. Ouais. Il y en a un qui, quand on avait là, fait des ateliers. Le meilleur. Bah avec Ah bah ouais, Bachi, parce que j'ai fait deux pharmacies pour la prendre. C'est trop. Mais je savais pas, je l'ai pris au hasard. Mais par contre, la première pharmacie où je suis allée, j'ai vu le pot, je me suis dit, ça a l'air d'être de la merde. Ah oui. Ça, c'est tes accessoires du coup ici. Alors attends. Le micro, il est... Oui, tout à fait. Mais alors attends, parce qu'il faut nettoyer. Plan anti-Covid. On direct donc sur BFM. Voilà, on va essayer de retrouver. C'est lui qui va cracher dans le gens. Micro. Bonjour. Oui, j'avoue. D'ailleurs, c'est drôle, elle m'a envoyé ici un message ce matin pour savoir s'il fallait qu'elle vienne en Claire Chazal. Qu'est-ce que tu fais? Je fais... En fait, je... Écoute, quand on n'a pas des gros budgets, il faut tout faire soi-même et surtout, il faut être ingénieux. Et donc là, je suis en train de faire de la couture plus ou moins, enfin cheap évidemment. En fait, j'ai une tenue, c'est la tenue d'Eleven, c'est une blouse d'hôpital. Et pourquoi on a décidé ça? Parce que le clip donc s'appelle Méchante Petite Femme. Dans le clip, tu dis que t'aimes pas les gens. Et au départ, on s'était dit que ce serait cool de faire un clip avec plein de types de personnages et qui meurent tous. Sauf que on a réfléchi à plein de façons de faire ce clip. Et au départ, l'idée c'était d'avoir un flingue et qu'ils meurent tous, mais ça faisait un peu trop shooting de masse. Et c'est pas vraiment ça qu'on avait envie de partager dans une vidéo. Donc la solution de Stranger Things et d'Eleven, qui tue tout le monde mais avec un mouvement de la nuque, ça pouvait être pas mal. Ouais, donc j'en profite pour vendre des chutes de tissu si ça intéresse quelqu'un. Faire une, je sais pas, des rideaux, une nappe. Ah, des tout petits rideaux, ouais. Un truc pour les tables. Quand vous organisez des dîners avec tous les gens que vous détestez. Donc il faut que je fasse trois fois. Trois fois ça. Oh, c'est un peu court, non? Non, c'est pas mal. C'est bien, là? Ouais, c'est pas mal. Vas-y, enlève tes lunettes. Non, anti-Covid pour les figurants. On nettoie tous les accessoires avec des lingettes. On essaie de faire les choses bien. C'est pas évident. Non, ça sort pas si mal que ça. Faut être vachement concentré. Ah, tu fais pas mal. Hein. Tu veux retester comme ça? Ouais. Là, j'ai une clochette. Tigré. Les trucs vraiment le plus vénère, je pense, les meufs, je pense ici, avec quelqu'un ici en même temps, peut-être que c'est la personne qui mange ici.
Et est-ce que ce serait pas bien quand même à un moment donné de faire un test avec le casque et la tenue pour filmer un tout petit bout de 3 secondes pour voir ce que ça donne, pour valider. Oui, en même temps, moi je suis confiant. Ok, ouais, carrément, je suis confiant. Ouais, j'ai des résultats. Okay. Dans la silhouette que tu m'as montré, ça roule. Super. Après, tu peux mettre la silhouette, on peut te prendre en photo. Et puis si tu veux regarder pour voir ça à l'image. Mais après. Donc on va faire ce qu'on appelle un plan séquence. Ça veut dire que le morceau dure 3:30. À chaque fois qu'on tournera une prise, elle durera 3 minutes 30. C'est-à-dire que si quelqu'un fait de la merde au bout de 2 minutes, on va le détester. Moi, je note le nom de chaque personne qui fait de la merde à chaque fois, puis on fait les comptes après. Évidemment, c'est pas que ça existe, parce que vous allez être à la fois comédien et à la fois un petit peu technicien. Pendant ce morceau, le clip va se tourner en deux phases. Donc, il y aura la phase A et la phase B. Imaginons que Maud soit Pupkin, la caméra avance, je m'arrête au niveau du visage. Ça, c'est la phase A. Et après, on recule. Ça, c'est la phase B. OK ? Entre la phase A et la phase B, il va se passer des choses. Concrètement, sur la phase A, chacun va être à son poste, dans son personnage, un petit peu dans sa bulle. En gros, on s'inspire un petit peu à la Stranger Things. Il y a Eleven dans ses pensées. On peut imaginer aussi que c'est en mode un peu Inception. En gros, tout ce que vous allez illustrer, vous, c'est des personnages qu'elle s'imagine dans sa tête. J'arrive sur son visage. Et quand je recule, sur toute cette dernière scène, tout le monde est mort. Donc on va vous tuer, c'était ça l'idée. L'audace. Pumpkin, il paraît qu'on peut tromper 1000 fois 1000 personnes, mais pas 1000 fois une personne. Vous confirmez? Je confirme. Maud, est-ce que je peux avancer un petit peu? Hello! Salut les pétasses! Ok, prêt? Tout le monde est prêt? Ok, action! Mais non, action libre. Alors vous êtes vivant, voilà. Vous vivantifiez, voilà. Très bien. Très bien. Ok, vous êtes mort. Ok, alors bougez pas comme ça, vous êtes concentré à manger. En fait, entre le moment où je fais la barre, c'est surtout pour vous qui êtes proche de moi, là, il faut se dépêcher. Derrière, à partir d'ici, vous avez le temps de vous mettre en position mort. Vous avez le temps, il n'y a pas de souci. Vous avez le temps de mourir. Pas besoin d'un pen, j'ai besoin d'un plaid. Je me répète des scénarios avec pistolet dans ma tête. Donc je fais du woman spreading sur un son. Et si je pape et monstre, il faut en faire un immense. Donc j'ai le bel expert dans le rap, je fragile. Le pire, c'est que je fais exprès pour que les rageux s'agitent. Rap de Yankee, non, rap de Yankee Doris. Anti-Boris avec une tête de gentil touriste. Pour ça, me fait pas rire quand les gens se pourrissent. J'aime blanc les secouristes, on fait les lèvres dans les coulisses. Je fais genre, c'était quoi ce geste dégueulasse? Putain, ça marche bien le grand angle sur ta petite tête. T'apparais pas du tout dans le clip alors? Non. Pas dans celui-ci. C'est bien aussi. C'est bien aussi que j'apparaisse. Là, musique! C'est genre, mais parfois j'aime vraiment pas les gens. J'essaie de parler gentiment, agacé par le sens qui manque. J'ai le sentiment d'avoir que le tiède à la place du sang. Qu'on sorte de ma chambre, je m'enferme dans la chambre. Quand je déchante, petit drame. Les larmes et la mort, c'est comme un love.
frappe à la porte d'un bullshit job. Dust the stop, la machine store. Les coups d'appel ni d'or sont sortis, squat sur des plateformes. Après un plat de pâte, c'est l'éclat sur mes plateformes. Les mains sur le crack-pack, d'autres mains sur notre jambe. Don't break the corps. Je sais, mais c'est plus fort que moi. Quand on me tue, les doigts témoignent, on peut fort que mal. J'ai envie de vomir sa mère, de passer tout le bien. La canon qui m'a servi de faire ma cité où je cherche mort. Mais vraiment, vous avez assuré, merci beaucoup, parce que comme vous le savez, c'était pas évident d'organiser tout ça tout seul. Et vraiment, vous êtes tous venus en fait le jour J. Et vous avez vraiment bien fait le job. Et c'est cool parce qu'en plus, on a vraiment eu tout l'éventail de genre de personnes qu'on voulait, tous les âges. Merci beaucoup. et c'était vraiment top. Et j'ai hâte de voir le résultat. Non, mais je sors de chat en plus. C'est pas beau gosse ça. Romain, à chaque fois, il se fait une interview. Ouais. Qu'est-ce que t'en as pensé, cette fille? C'était trop bien. T'es obligé de dire un truc sympa. Mais non, mais c'était vraiment bien. Et le son est cool en plus. Il est vraiment merci. Cool. Vraiment. Merci. Bah oui, c'est vrai que vous le connaissez pas non, avant de venir. J'avais le trac aussi de la réaction. Non, c'est super bien, vraiment. T'as vu par terre ou pas? Putain, c'est quoi cette bassine? Ah oui, je me lave les pieds parce que j'ai. Ah oui, t'as du sang partout. Ouais. Mais donc ça t'a fait quoi, toi qui fais des clean walk avec nous? Ça m'a vraiment fait mal au cœur. Lancer des masques partout par terre. Je pense que je vais aller me ressourcer en Bretagne, au fin fond, tu vois, vraiment penser, respirer, oublier ce moment vraiment de mal. Mais espérer que personne va servir de cette putain d'image, tu vois, pour me faire chanter ou un truc comme ça, quoi, tu vois. Ça s'est bien passé? Hyper bien. Hyper bien. Trop cool. Yes. C'est quoi le M? C'est pour ton prénom? Non, Rome, le prénom est le quartier Malakoff. Malakoff? Ah, tu viens de Malakoff? Ouais, on habite juste à côté de Malakoff. Ouais. Moi, j'ai vu comme tu la dernière fois, c'était au Hip Hop Session. Ah, sur avec Hocus Pocus? Ouais, grave. Ouais, c'était ouais, elle était montée en guest, ouais, c'était cool, ouais. C'était franchement. Une fille, tu vois, qui gère le bail, c'est bien. Ouais, non, c'est cool. Ouais, mais on avait joué aussi avec Hocus Pocus, mais à Stereolux. Et là, pour le coup, c'était un peu plus long parce que Cécile avait participé au morceau Hip Hop. Ouais. Et par contre, on avait interprété un morceau à nous, rejoué par Hocus Pocus. D'accord. Donc là, par contre, j'étais sur scène aussi avec elle. Ouais. Et ça, c'était mortel aussi. C'était Stereolux, c'était blindé. Bah ouais. C'était cool. Ah, ouais. De quoi Stereolux? Ouais, du monde et tout. Ouais, grave. Toi, t'as déjà fait des concerts? Non, tu fais pas de musique? Non, moi, je suis acteur, moi. T'es acteur, comédien? Ça marche. Acteur, comédien. C'est une famille de comédiens. Ah ouais? On va voir la petite carte de visite pour vous. Alors, un peu de promo. Attends, on voit pas la lumière. Attends, on est à contre-jour. Ouais. Là, on voit mieux. Tous les contacts. Tous les contacts. Et ouais. Mamadou, Savane, non. Bon, j'espère que vous avez kiffé ce petit making-of du clip de Méchante Petite Femme. On se quitte sous la pluie nantaise. Et ben voilà, avec Pumpkin, on vous dit à très bientôt pour un nouveau vlog, pour un nouveau clip, pour un nouveau single, pour un nouvel album, pour, on espère, des nouveaux concerts. Mais en tout cas, à très bientôt et continuez de nous suivre et de partager tout ce qu'on fait. C'est cool. Puce ! Arrondis les angles, si j'approfondis, j'étrangle. Dans les tréfonds du lit, je tremble, rongé par les non-dits. J'arrondis les angles, arrondis les angles. J'fais genre, mais parfois j'aime vraiment pas les gens. J'essaie de parler gentiment.